c'est bon hein, pour vous. C'est bon. D'accord. Alors, ta question, c'était quoi, chérie? Je veux dire les deux vidéos. Ok, qui a sorti les attends. Esclaves des... Attends d'abord, prends le micro. Je pense que je vais passer le micro ici. Oui. Qui a sorti les esclaves d'Égypte, papa? Celui qui a sorti les esclaves d'Égypte, c'était Moïse. Oui. Qui nous protège? Qui nous protège chaque nuit, chaque sortie, chaque matin? C'est le Seigneur Jésus. Oui. Est-ce que j'ai trouvé? Oui. D'accord. Et maintenant. Oui. Qui a parlé à Moïse à l'arbre enflammé? Ah, le buisson ardent, chérie. Oui, je veux dire le buisson ardent, oui. Ah, le buisson ardent? Oui, le buisson ardent. Qui a parlé? Qui a parlé à Moïse? Oui. Buisson ardent. D'accord. Buisson ardent? C'était le prophète Daniel. Bravo. Hein? Non. T'as pas réussi. C'était qui, chérie? C'était Dieu. Dieu. Oh non. Oh non. Oui, je me souviens, le méchant, oh, non, c'était Dieu. C'était Dieu, non. Bon, ok. Oh. Ça va. D'accord. Qui a fait naître Jésus? Oh! Tu veux savoir qui a fait naître Jésus? Qui a fait naître Jésus? Tu veux savoir, ça dit, tu veux savoir la mère de Jésus, c'est ça, hein? Oui. La mère de Jésus, elle s'appelait Marie. Bravo! Ouais! Je suis le meilleur! Qui guérissait les malades? Qui guérissait les malades? D'accord. Ok. Moïse, Jésus ou Dieu? Tiens. Oui, vas-y, répète encore. Pose bien la question. Qui guérissait les malades? Moïse, Dieu ou Jésus? D'accord. En fait, il y avait un qui était dans le ciel, qui était un père et le fils. Et le fils était sur la terre. C'est à toi de choisir. D'accord. Tu demandes qui guérissait les malades entre Moïse, Jésus et Dieu. Oui. Je pense... Je pense que c'était... Jésus. Bravo. Ok. Qui a enlevé ses chaussures devant le buisson ardent? Le buisson ardent. Le buisson ardent, je veux dire. Ses chaussures. La question, c'était quoi? La question, c'était quoi? Qui a enlevé ses chaussures devant le buisson ardent? Ardent. Ah, la personne qui a enlevé ses chaussures devant le buisson ardent, c'était Joseph. Bravo. Je vais dire que c'était Moïse. Moïse? Oh, j'ai raté. Oh non. Oh, j'ai failli tomber. Oh, c'est pas grave. Oh, c'est trop grave, chérie. Maintenant, ça parle avoir. Des prophètes ici. Je voulais avoir mes cheveux, chérie. Ok, je sors avec qui maintenant? Papa, Docteur Inoka, Jésus. C'est facile. C'est trop facile. J'ai mon point là. Là, actuellement, t'es en train de sortir avec papa. Bravo. Papa.
avec ton papounet, papounet. On part dans quel magasin? Orca, Wonderland, Orca, Wonderland, et le magasin Santa. Place. Hein? Santa. Mais quoi Santa? Santa qui? Santa Claus. Non. Santa Lucia. C'est quel magasin qui était ce qu'on appelle Place là? Et Carrefour Place. Là, on est en train d'aller. Mais c'est. Attends, chérie, tu sais, normalement, on ne doit pas dire ça parce qu'on est en direct. On ne doit pas dire où on va. Ah oui. Pourquoi? Ah, c'est pas prudent, tu sais. C'est prudent. Non, chérie, on ne doit pas dire, chérie, tu ne dis pas ça. Change de question. Pourquoi? Change de question. On ne dit pas où on va, ok? Ok, bon. Autre question. Qui était le premier? Les deux premiers. En fait, qui a tenté les deux premières gens que Dieu avait créés? En fait, c'est trois personnes. Adam et Ève, ou Adam, Ève, ou le serpent. Et maintenant, qui était là avant le serpent? J'ai la réponse. Oh, j'ai trouvé. T'as pas trouvé, c'est moi. C'est le serpent. Et qui étaient les deux personnes dans le jardin d'Eden? Les deux personnes dans le jardin d'Eden, on avait Adam et Ève. Bravo. Bon. Bye bye, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous protège. Et que Dieu vous protège. À la maison, on va faire un concours de gymnastes. D'accord. Donc, à tout à l'heure à la maison le soir, peut-être à 17h, oui, à 17h. À 17h, vous vous connectez et on va commencer le direct de la gymnaste tout de suite. D'accord. À tout à l'heure. Ouais. Papa, tu fais quoi? Tu mets...